Bonjour à tous et à toutes, c'est Mister Chitalis Manso pour une nouvelle vidéo. C'est la suite de Inazuma Eleven de Tempête du Brasier. On se retrouve devant cette porte. C'est quoi cette porte? Bah je sais pas, on va aller voir ça de nous-mêmes. Je vous propose un objectif de like pour aujourd'hui, un objectif de 40 likes. Si vous êtes des vrais et que vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à me le montrer en likant la vidéo. Et au bout de 40 likes, et ben, l'objectif sera atteint et je serai super content parce que vos réactions, vos likes, etc., tout ça, ça m'aide énormément. On dirait qu'on ne peut pas descendre. Oh, trop intelligent. Oh là là, trop intelligent ce Mark Evans. Oh non! Il y a une échelle qui n'est pas là. Qu'est-ce qu'on va faire? Il y a un bouton à côté. J'ai une idée, je vais appuyer sur le bouton. Oh là 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 là, trop intelligent. Tout ça pour une noix croquante. Bon, y'a quoi par ici? Non, pas par là. Okay. Oh mais les gars! Vous reconnaissez ce maillot là? Le bleu? Est-ce que vous le reconnaissez? Non? Ne vous inquiétez pas, moi non plus, c'est random, ça sert à rien. Non, franchement, c'est beau ici. Je kiffe la déco. Hein. Franchement, moi j'aime pas les musées, mais ça c'est un musée que j'irai faire. C'est pas vrai, j'irai jamais. Sauf s'il y a un kebab à l'entrée, j'irai au kebab. Ah, ça y est. Enfin, on va un peu s'amuser. Ça y est, enfin on arrive à un endroit avec des coffres. Ça c'est cool. Allez, un bon truc. Facelet de l'amitié, ouais c'est bon. Petite ration, putain, mais c'est bon. On peut pas avoir des vrais objets. Il n'y a rien qui est logique dans ce jeu. Genre aussi, genre... Lui, c'est une copie de Pierre de Pokémon, genre, pourquoi il ouvre pas les yeux? Ouvre les yeux! Je t'ai dit d'ouvrir les yeux, putain. Oh là 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 là. Les gars, c'est Pierre. Bon. Les voilà, les enseignements du maître, c'est ton grand-père. Maintenant, on va voir si le système d'alarme est branché. Non. Canon, joue pas avec les alarmes. Super, on a les enseignements du maître. Ben voilà, c'est fini, on a réussi à finir le jeu. Je déconne. Ce cahier renferme les secrets pour constituer l'équipe ultime. C'est ce qu'on dit, ouais. Allez! Oh merde, c'est pas bon signe, ça. Et qui c'est qui a joué avec les alarmes? Avec les alarmes? C'est Canon. Merci, Canon. Intrusion détectée, intrusion détectée. Un robot? Bravo mec, toi aussi t'es intelligent. On a malencontreusement activé le système de sécurité en retirant le livre. Ne perdons pas de temps ici, on doit vite sortir d'ici. Merci Canon, t'es vraiment futé, heureusement que t'es là. Hein. Échappez-vous du musée. Ok. Salut mec. Rendez-vous sans opposer de résistance. Non. Alerte intrus. Ah, d'autres robots. Allez, Pierre. Attaque Rakayu. Ah non, c'est catapulte frontale, pardon, j'étais presque. Bon, on a fini ce duel là. Voilà, ça c'est bon. Eh ben non. Oh, oh, oh là, on l'a brain. On a fait bugger le jeu, les gars. On est trop fort. Ah, triste. En vrai, on s'est gavé. On a aussi à faire bugger le jeu, les gars. Encore les mêmes. Et merci le raté. Hop, Lancelot, et on va faire une volée. Et merci. Super.
Ben voilà, ça c'est fait. Bon, maintenant faut qu'on arrive à repartir. Apparemment, faut qu'on s'enfuit, genre vite. Vite les gars, oh non, encore des robots. Ouais, mais c'est bon là. Vous arrêtez de tous me sauter dessus là. Et hop, le but de Jude. Franchement, cette petite visite du musée, elle est passionnante. Ah! Ah, ça c'était Roblack. Les enseignements du maître ont été dérobés dans le musée du foot. Comment? Les meilleurs cerveaux d'Alus n'ont pas pu en déchiffrer un mot. Les cambrioleurs ne vont pas aller loin avec ça. Les caméras des robots de sécurité nous ont permis d'identifier les intrus. Il a vraiment une tronche de merde. Ah, ce sont eux. Et s'ils avaient trouvé la clé pour décoder le livre? Non. C'est impossible. Ah, franchement, même Astéro Black s'y met. Ah, je suis désolé les gars, mais en fait, ça sert même plus à rien que moi je le fasse. C'est les gens d'Inazuma Eleven qui le disent à ma place. Que c'est pas possible. Barre-nous vite de cet endroit! C'est ce qu'on faisait déjà. Mais... Allez, dis-moi que c'est pas encore les 5 mêmes, que au moins c'est les autres, tu vois, histoire que c'était pas les mêmes. On peut pas fuir! Ah ben voilà, on peut fuir, ça c'est bien. Ah! Ah, bah oui, apparemment on n'a pas fini d'affronter des robots. Qu'est-ce que. Un terrain de foot ici? Mais qu'est-ce que vous foutez? Ne restons pas là, on va se faire attraper. Bzzz, pip, ça veut rien dire. Oh non, ils nous ont déjà rattrapés! On est vraiment dans de beaux draps. What the fuck? Bienvenue sur le terrain du musée. Ils veulent nous défier sur ce terrain. Ok. Bon bah les gars, on va faire un match contre les robots, c'est parti, hein. Putain, ça faisait 2 épisodes qu'on faisait pas de match. Bah là au moins on va pouvoir en faire un. Enfin. Voulez-vous jouer maintenant? Bon, comme si on allait dire non, non, attends, on fera ça la semaine prochaine. Allez, on affronte les footbots. Terrain du musée. Trop facile. On a slalomé entre les joueurs. Miximax Trans. Tyranno. Et hop là, Bachor Jurassique. Et le point foudroyant 3. Il arrête. Oh, pas mal le maillot de Galaxy. De l'Armada Xa. Bon. Canon, tu vas avoir une deuxième chance. Tir de défense, canon. V3. Cette fois-ci, tu te fails pas. Cette fois-ci, tu marques. Donc là, on va faire la pluie de flèches. Et hop là. Ah oui, ça fait presque le double. Ouais, parfait.
Nickel. Il est stylé comme ça. Hop, là c'est fait. On va choper la balle avec Faye pour ses aptitudes. Allez. Trop fort. Hop. Axel. Faye. Axel remonte vite. Ah merde, c'est rien. Marc. C'est stressant. Allez, dribble Zephyr. Oh, le poids. Obstruction électrique. V3. D'accord, ils ont déjà leur technique améliorée. Ah, il est hors jeu, lui. On va récupérer la balle avec lui, avec le portail dimensionnel. Dimension 14. Ballon illusoire. Ah. Ok, il me reprend avec obstruction électrique. Oh. Tactique spéciale, ben on n'en a pas. Ok, attaque cyclique, pourquoi pas. Bon, on va commencer à sortir un peu les esprits guerriers. On va sortir Ricardo, enfin Jules. Ok. Maestro Virtuoso. Allez, Paul. Un tir classique, ça va, nickel. Ah, il a la voix. Ah, il y a la voix de Paul, même si c'est la voix de Mark Evans. C'est dommage parce qu'il a pris les voix de Ghost Striker. Sauf que Paul, en fait, il y a sa voix dans Ghost Striker. Il y est. Même dans le Striker. Non, dans Striker, pardon, pas Ghost Striker. Paul, il est dans Striker. Il a la main céleste. C'est dommage, j'aurais pu mettre sa vraie voix. Point foudroyant 3. Il a combien de points techniques, lui? Ah, ça, il en a plus, là. Allez, oui. Si on lui prend la balle, on pourra tirer et marquer de loin avec Hurley, je pense. Allez, vague stellaire. Allez, Hurley. Oh. Ah ça, j'y avais pas pensé. Sur Ghost Striker, ce serait passé, ça. Faut que j'arrête de faire des références à Ghost Striker tout le temps. Tir de défense, canon. V3. Hop. Bon, allez, on va marquer le deuxième but, là. Et ce sera pour Arion, Marc, pardon. Oh là là. Parfait. Aïe aïe aïe, cette armure. Et impact explosif. But. Oh, le coup critique qu'il nous fait en plus. Par contre, là, les gars, maintenant qu'ils ont plus de points techniques, on va les bombarder de tirs. Moi, je dis, c'est le moment de faire un petit montage tranquille de famille. On va mettre tout ça en accéléré. On va mettre une petite compilation des buts. C'est parti! You take, I'm still here.
Re les amis, on se retrouve vers la fin du match là. On est dans les dernières minutes. Alors le match était, on va dire assez simple franchement. Sauf quand Hurley s'est pas rattrapé un ballon, super. Donc pour l'instant je crois qu'on est à 5-0, 6-0, quelque chose comme ça. On va tenter un de plus. Ok, l'œil du voleur 3. Non, 135, c'est pas beaucoup. Ok, ça s'arrêtera sur un 6-0. Nickel. Bon, l'épisode risque d'être un petit peu long, j'espère que ce sera pas trop dérangeant pour vous. Allez, voyons un peu ce qui va se passer dans le scénario. Game over, game over. Tu pensais vraiment qu'on allait perdre face à un tas de ferrailles comme toi? Prends ça. Erreur système, fichons le camp d'ici. Échappez-vous du musée. Oh, t'inquiète pas pour ça qu'on va s'en échapper. J'ai pas envie de rester dans ce trou pour nous. Ok, super. Je commence déjà par me tromper de sens. Ça commence très mal. Ça y est, on est dehors. On a réussi. Excellent travail, mes petits cambrioleurs en herbe. Tous au transporteur temporel. Retournez dans le présent. Eh bien, c'est super. On a réussi à s'échapper. Aïe, 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 aïe. On s'en sort bien. Je pense que c'est là-dessus qu'on va se quitter pour aujourd'hui. Est-ce que tout le monde est là? Ouais. Ne faisons pas de vieux os ici. Eldorado a sans doute déjà envoyé ses sbires à nos trousses. Franchement, il a parlé pour dire ça. Cette réplique, elle est tellement emblématique d'Inazuma Eleven. Saut temporel. Collège Raymond de nos jours. J'ai cru à un moment qu'on allait se faire capturer par Alius. Mais tout s'est bien passé. La dernière chose qu'il nous reste à faire, c'est de déchiffrer ce fameux enseignement. C'est bien beau d'y penser maintenant. Il faudrait d'abord trouver un endroit pour le faire. J'ai une idée, si on allait à la résidence Windsor, on sera tranquille là-bas. Je valide ton idée. J'espère au moins qu'on pourra y comprendre quelque chose, si même les plus grands savants ont échoué. Vous pouvez maintenant participer à des matchs amicaux. Eh ben super. Voilà, c'est là-dessus qu'on va se quitter. Merci en tout cas d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à liker ou à vous abonner. C'était Mister Chitalisman. À la prochaine pour la suite du Let's Play Tempête du Brasier. Ciao tout le monde!